Au cœur géographique de l'Europe, la Pologne a changé plusieurs fois de frontières politiques au cours de son histoire. Depuis l'éclatement de l'ancienne Union soviétique, le pays partage ses frontières nationales avec 7 États différents. Le territoire de la République de Pologne représente en superficie plus de la moitié de la France. Le long d'une côte qui s'étire sur environ 500 km, la mer Baltique borde un pays très plat. 75% des terres se trouvent à moins de 200 mètres d'altitude. Dans le sud, le relief s'accentue. La chaîne des Carpates culmine en Pologne à 2500 mètres. La Pologne compte près de 40 millions d'habitants. Par sa population, le pays occupe le 6e rang parmi les nations européennes. La Pologne est un des rares États d'Europe centrale qui ne possède pas de minorité ethnique importante. En effet, 95% des habitants sont d'origine polonaise. La modernisation du pays avance à grands pas. Elle concerne le fonctionnement des institutions, mais aussi les infrastructures et l'équipement. Car les mentalités qui ont privilégié l'habitat collectif pendant des décennies ont aujourd'hui beaucoup changé. Le patrimoine architectural est soigneusement restauré. Dans ce domaine, la Pologne a réalisé de véritables prouesses pour relever les ruines laissées par la Deuxième Guerre mondiale. Des villes entières ont été reconstruites grâce à des documents d'archives. Elles rayonnent désormais par leur beauté. Les plus beaux fleurons de l'architecture polonaise sont réhabilités, quelle que soit leur époque. Les courbes baroques annonçaient des créations beaucoup plus audacieuses. La Pologne a connu une histoire mouvementée depuis plus de 1000 ans. Les chevaliers teutoniques ont menacé le royaume dès le XIVe siècle. Et à plusieurs reprises, le pays fut dépecé par ses voisins. D'ailleurs, la Pologne a disparu de la carte pendant presque tout le XIXe siècle. Et pourtant, elle a survécu, fière et unie autour d'un peuple, d'une culture et de traditions jalousement préservées. La plupart des traditions se sont perpétuées, comme la fabrication de la bière. Na zdrowie. La Pologne compte parmi les principaux producteurs de viande porcine en Europe. Le porc est toujours bien présent dans les coutumes alimentaires des Polonais, mais leur cuisine s'est également ouverte aux influences extérieures. La créativité et la fantaisie transportent même les restaurants, parfois installés dans un avion posé au bord de la route. Comme dans tous les pays du Nord, les traditions sont marquées par les changements de saison. Au solstice d'été, certaines jeunes filles arborent des couronnes de fleurs. Dans la culture polonaise, l'empreinte du folklore est indéniable. C'est vrai pour la musique du grand compositeur Frédéric Chopin, né en Pologne d'un père français. Il a trouvé chez son compatriote Arthur Rubinstein l'un de ses plus brillants interprètes. Les bouleversements politiques survenus dans le pays au XXe siècle ont souvent coïncidé avec d'importants changements dans l'art contemporain local. Il aura fallu attendre près de 500 ans pour que soit désigné un pape non italien. Jean-Paul II était polonais. Il fut le témoin et l'acteur du rayonnement de l'Église catholique polonaise qui touche 95% de la population. Elle imprègne tellement la société qu'il est difficile de comprendre les mœurs et l'histoire de la Pologne sans l'éclairage de la religion catholique. L'Église catholique n'est pourtant pas la seule confession du pays. Les protestants et les orthodoxes sont aussi présents. La Deuxième Guerre mondiale et l'occupation par l'Allemagne nazie ont gravement traumatisé la Pologne. Les destructions et les déportations ont été d'une intensité extrême. Les Juifs ont payé un lourd tribut. Avant-guerre, leur communauté représentait 10% de la population nationale. Elle fut en grande partie décimée à Auschwitz et dans une demi-douzaine de camps de concentration installés par les nazis sur le territoire polonais. Leur nom résonne aujourd'hui encore au plus profond de l'horreur. Le
Le Parti communiste prit le pouvoir après la guerre. Mais les erreurs économiques et les vexations entraînèrent des émeutes réprimées dans le sang par la police. En 1970, la milice repoussa une vague de mécontentement lancée après l'augmentation du prix des produits alimentaires. Le syndicat Solidarité, porté par Lech Walesa, fut créé en 1980 au sommet d'un mouvement de plus en plus dur. C'est alors que Moscou, effrayé par les manifestations anti-soviétiques, imposa aux autorités polonaises de décréter l'état de siège. Solidarité fut dissous. En 1989, pourtant, après de nouvelles grèves et avec le soutien de l'Église catholique, la démocratie émergea. Le petit électricien, devenu président de la République, quitta les chantiers navals de ses débuts. Aujourd'hui, l'ancien siège du Parti communiste abrite la Bourse. La longue émancipation de la Pologne conduisit à l'Union européenne, à laquelle elle fut intégrée en 2004. En Europe, la Pologne est une véritable puissance agricole. L'agriculture fournit une part importante du produit intérieur brut. Ce secteur emploie le cinquième de la population active, malgré des moyens parfois rudimentaires et en dépit de la taille réduite des exploitations. La production agricole est riche d'une grande diversité. L'immense forêt polonaise trouve de nouveaux débouchés dans toute l'Europe. Le succès des meubles préfabriqués et des maisons en bois a redynamisé toute la filière. La Pologne est de loin le premier producteur de charbon de l'Union européenne. Un combustible indispensable qui permet de produire 95% de l'électricité dans le pays. Fer, zinc et cuivre, les richesses minérales sont considérables. Les matières premières alimentent les industries de transformation, comme l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. Les avions, les hélicoptères et leur motorisation ont fait la réputation du pays dans ce domaine. Quant aux artisans, ils mettent leur savoir-faire au service de traditions haute en couleurs. La Pologne doit s'adapter aux exigences européennes, notamment pour diminuer la part du charbon, très polluant, dans la production énergétique. Les principes du développement durable sont petit à petit pris en compte. Grâce notamment à la modernisation du réseau routier, le tourisme se développe. Les traditions locales et les paysages photogéniques attirent de nombreux visiteurs. Le potentiel touristique est exceptionnel. Le pays recense plus de 20 parcs nationaux garants d'une nature intacte. Au XVIe siècle, la Pologne était l'un des plus puissants pays d'Europe. Elle relève un défi ambitieux qui l'amène sur les chemins du renouveau. Depuis la fin du XVIe siècle, Varsovie est la capitale nationale. Ses apparences ont, depuis, beaucoup changé. Le régime communiste y a tracé de larges avenues, idéales pour la circulation, mais très impersonnelles. Ces artères changent aujourd'hui de caractère et l'architecture moderne s'y développe progressivement. La ville, pendant la guerre, a été presque totalement rasée par les nazis. Elle s'est pourtant relevée d'une destruction systématique et on a reconstitué certains quartiers à l'identique. Des tableaux et des photos ont été utilisés pour accomplir un travail sans précédent. Un patrimoine sauvé de la barbarie, protégé par la sirène, emblème de la ville, et par l'UNESCO. Reconstruit avec beaucoup de minutie, le château royal fut la résidence des rois de Pologne, puis le siège du Parlement. L'intérieur a également été restauré dans l'état où il se trouvait pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. De nombreuses œuvres d'art avaient heureusement été mises à l'abri avant les destructions causées par les Allemands. Ces derniers, en effet, s'étaient appliqués à détruire méthodiquement les symboles de la culture et de la nation polonaise. On apprend aux jeunes générations à exercer leur concentration en écoutant de la musique. Sur l'enceinte de la vieille ville,
se dresse une barbacane, un bastion fortifié du XVIe siècle. La cité, fondée deux siècles auparavant, a très tôt suscité les convoitises. Elle concentre rapidement les pouvoirs temporels et spirituels. Le grand nombre d'églises, élevées dans tous les styles, montre l'importance de Varsovie pour l'Église catholique, ainsi que pour tous les autres cultes. L'architecture civile témoigne du faste et de l'opulence au temps du dernier roi de Pologne, Stanislas Poniatowski. Des vestiges de plusieurs siècles ont été détruits en quelques jours dans la lutte contre l'occupant allemand. Lancée par la résistance, l'insurrection de la population en 1944 entraîna de violents combats. Quelques immeubles, miraculeusement préservés, en portent encore les traces. Le ghetto juif s'était soulevé un an plus tôt. Malgré les privations dont les juifs souffraient, les plus téméraires s'organisèrent pour mener la vie dure aux Allemands. Ils trouvèrent les moyens de communiquer entre eux et ils s'équipèrent en armes et munitions. En avril 1943, la révolte éclata. À 1 contre 100, elle dura pendant un mois, en causant de graves pertes à l'ennemi. Épargné par la guerre, le palais de Villanov est un pur joyau de l'architecture baroque. Là où les édifices anciens étaient irrécupérables, l'architecture contemporaine a pris le relais. C'est le cas pour la bibliothèque de l'université, surmontée d'un étonnant jardin sur le toit. Entre la bibliothèque paisible et la rue Chmielna, le contraste est prononcé. La rue piétonne est une des artères les plus fréquentées de la capitale. Un curieux groupe musical attire l'attention de le quartier de Praga. Il joue de la musique à la demande, comme un jukebox. On choisit un morceau en envoyant un SMS. La nuit est tombée. Les rues de Varsovie commencent à se vider quand les clubs de jazz font le plein. Au nord-est du pays, s'étend une région verdoyante et plate, la Mazurie. À part ces milliers de lacs, on y rencontre peu d'obstacles. Beaucoup estiment que la région est la plus belle de Pologne. C'est l'une des plus champêtres en tout cas. Les trois quarts de la Pologne appartiennent à la grande plaine européenne qui s'étend du sud-ouest de la France jusqu'en Russie. On rencontre en Mazurie des animaux familiers qui regardent passer les trains. D'autres espèces, chaque année, viennent s'installer dans la région pour la belle saison, la cigogne. L'échassier migrateur est bien accueilli. Les habitants prévoient même des supports adéquats pour favoriser la construction du nid. Pour Barbara Dohoulovska, les cigognes font presque partie de la famille. Les cigognes arrivent très tôt au printemps, fin mars, début avril. Et c'est comme ça chaque année. Il n'y a pas une année où il n'y en a pas. D'abord, c'est le mâle qui arrive, il prépare le nid. Quelques jours après, c'est la femelle qui arrive. En Mazurie, la cigogne blanche fait partie du paysage. Au Moyen Âge, la région était couverte d'une immense forêt. Elle abritait notamment le bison européen, un des plus grands mammifères terrestres du continent.
Les bisons d'Europe sont les cousins des bisons américains. Ils ont failli disparaître à cause de la déforestation. Dans la forêt de Boretsky, les bisons ont trouvé un milieu qui leur est favorable. Christophe Zor est garde forestier. En Pologne, il y a au total à peu près 1000 bisons. Et dans la forêt de Boretsky, il y en a 300, dont 80 en liberté. Dans cet enclos, il y en a 3. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les bisons vivaient dans plusieurs régions de Pologne. Pendant cette guerre, il y a eu une forte baisse de la population de bisons. Et puis, elle s'est redéveloppée une fois la guerre terminée. Les nombreux lacs de Mazurie sont les vestiges de l'érosion glaciaire. En reculant, les glaciers qui couvraient la région ont creusé des dénivellations dans lesquelles l'eau s'est engouffrée. On a dénombré 4000 lacs. Certains sont reliés entre eux par des canaux. Le long du canal d'Elblague, pour franchir une importante différence de niveau, on a trouvé une solution originale. Comme dans un moulin, des roues hydrauliques fournissent l'énergie nécessaire pour tirer le bateau hors de l'eau et lui faire monter la pente. Le bateau repose sur une plateforme tractée sur rail. L'ingénieux système a été inventé au milieu du 19e siècle. Sur une terre que se disputèrent longtemps la Prusse et la Pologne, se dresse le château de Malbork, une impressionnante forteresse construite en briques au XIIIe siècle, le plus grand ouvrage médiéval de ce genre en Europe. L'ensemble se compose en réalité de 3 châteaux imbriqués les uns dans les autres. Malbork servit de quartier général aux célèbres chevaliers teutoniques quand ils quittèrent la Terre Sainte à la fin des croisades. Au XIVe siècle, les redoutables moines soldats régnaient sur une bonne partie du nord de la Pologne actuelle. Un siècle plus tard, il faudra l'intervention du royaume de Pologne pour enrayer la domination de la fameuse croix pâtée. En direction de la côte, les arbres feuillus cèdent la place aux résineux, signe que la terre devient plus acide. Et puis soudain, le sable apparaît. Il recouvre presque complètement les arbres qu'il a fait mourir. Des dunes énormes, atteignant parfois 40 mètres de hauteur, se répandent dans le parc national de Slovénie. Sous l'action du vent, elles peuvent se déplacer d'une dizaine de mètres par an. Les mouvements des dunes ont été tellement importants qu'au XVIe siècle, le sable a envahi la ville voisine de Leba. Les habitants ont dû construire une nouvelle localité qui vit aujourd'hui autour d'un petit port de pêche. Sur la côte de la mer Baltique, Sopot est la capitale estivale de la Pologne. On vient en villégiature dans une cité animée par de nombreuses manifestations culturelles. Les bâtiments pompeux s'étaient assoupis depuis leur construction au début du XXe siècle. Ils ont été bien surpris par l'œuvre de l'architecte Zaleski, qui dessina la Maison Tordue en 2003.
Elle semble sortie en droite ligne, si l'on ose dire, d'un dessin animé de Walt Disney. Elle serait la maison la plus photographiée de Pologne. La cité balnéaire de Sopot est toute proche du grand port de Gdansk, l'un des plus actifs de la mer Baltique et en importance, le premier de Pologne. Le port de Gdansk existait déjà il y a 1000 ans. Grâce à lui, la ville a bénéficié d'appellations élogieuses à travers l'histoire. On l'a surnommée la porte d'or de la Pologne et même la perle de la Baltique. Au milieu du XIVe siècle, la ville de Gdansk était membre d'une association commerciale, la Hanse. Elle regroupait à l'origine des villes allemandes, puis elle s'étendit à l'Europe du Nord et enfin à toute l'Europe. La Ligue hanséatique valut aux villes qu'elle regroupait une exceptionnelle prospérité. De somptueuses portes d'entrée affichaient l'opulence de la cité. Les villes hanséatiques ont souvent adopté un même style architectural. L'influence de l'architecture flamande est bien visible sur les maisons à frontons richement décorées. C'est la découverte de l'Amérique qui modifia les grandes routes commerciales et sonna le glas de la Hanse. La puissance et l'indépendance de la Ligue hanséatique ont fini par susciter beaucoup de jalousie, même de la part des États où elle avait des ports d'attache. La Hanse sera dissoute au XVIIe siècle et la ville de Gdansk en subira le contre-coup. L'ambre fut une monnaie d'échange dans les relations commerciales de Gdansk. Une monnaie très ancienne, puisque la route de l'ambre reliait la Baltique à la Méditerranée dès la plus haute antiquité. L'ambre est la résine fossilisée de conifères. Mystérieusement, la mer Baltique la rejette sur les plages du littoral qu'on appelle aussi la côte de l'ambre. La résine provient d'une immense forêt de conifères qui a été recouverte par la mer. Associée à celui du verre et de l'argent, le travail de l'ambre est une tradition dans les villes de la Baltique. Lech Parinczek. On termine par un polissage qui donne la forme définitive à la pierre. L'étape suivante consiste à la mettre dans un cadre argenté ou doré, et selon la forme obtenue en polissant, on décide si on va en faire un pendentif, une bague ou un bracelet. Ici, ce sera un pendentif. Les Grecs de l'Antiquité ont découvert que l'ambre frotté avec un tissu se chargeait en électricité statique. Ils l'ont appelé électron, c'est-à-dire fait par le soleil étant la plus forte source d'énergie. Les couleurs de l'ambre varient du jaune au brun. Il est plus ou moins translucide selon la quantité d'air emprisonné à l'intérieur. En amont de Varsovie, la Vistule et ses affluents traversent les reliefs du sud. Longue de 1000 km, la Vistule est le seul fleuve qui soit entièrement polonais. Au bord de la Vistule, la ville de Kazimierz Donli connut la prospérité grâce au commerce des céréales. Les négociants enrichis élevèrent de splendides demeures au style Renaissance.
Plus à l'est, on entre dans la ville de Lublin. La cité a été occupée par les Autrichiens à la fin du XVIIIe siècle, puis elle l'a été par les Russes au début du XIXe. La façade du château de Lublin possède des lignes très orientales. À l'intérieur, la tour juive est un vestige du château originel. Dans les remparts s'intègre la chapelle de la Sainte Trinité. Les voûtes gothiques sont décorées de fresques russo-byzantines, très rares en Pologne. Elles remontent au début du XVe siècle et prouvent le caractère multiculturel de la ville. Tout au long de son histoire, la ville a beaucoup souffert de multiples invasions et dégradations. Elle vit aujourd'hui dans la sérénité retrouvée. En direction de la frontière avec l'Ukraine, apparaît la localité de Zamosk. Elle fut créée à la fin du XVIe siècle selon un plan simple et symétrique. La grande place du marché est le centre géométrique de la cité. La ville resta la propriété de la famille qui l'avait fondée jusqu'en 1944. Midi moins 5. Dans la tour de l'hôtel de ville, un homme endosse une cape traditionnelle. Midi. L'homme prend sa trompette et sort sur le balcon. Selon la tradition, la trompette retentit tous les jours à la même heure. Plus au sud, dans la région de la Malopolska, un site minier est en activité depuis des siècles, la mine de sel de Vielichka. Ici, on récoltait déjà le sel en surface 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais le premier puits a été creusé par des moines bénédictins au XIIIe siècle. À 135 mètres de profondeur, circulent des galeries qui couvrent un réseau d'environ 350 km. Jadis, le sel avait beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Marek Sizewski. La mine de sel appartenait au roi. Et le sel qu'on sortait de la mine de Vielichka couvrait les besoins de tout le pays. On peut dire carrément que l'économie du pays était basée sur le sel. Un tiers des revenus du roi provenait du sel de Vielichka. Le sel représentait une grande richesse. Dans la mine règne un microclimat spécifique qui permet de soigner l'asthme et certaines allergies. Le long des galeries, des mineurs et d'autres artistes ont sculpté le sel. Leurs créations illustrent des légendes locales et prennent, dans certains cas, des proportions considérables. Les poutres de soutènement se sont imprégnées de sel et, avec le temps, se sont pétrifiées. Une chapelle, grande comme un hall de gare, abrite des sculptures remarquables qui reproduisent des personnages de l'histoire polonaise et différentes scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans la salle, l'acoustique est excellente et des concerts y sont parfois donnés. Comme partout en Pologne, le pape Jean-Paul II figure en bonne place. Au sud-ouest de Varsovie, Łódź est la deuxième ville de Pologne par sa population. Elle fut rattachée à la Prusse à la fin du XVIIIe siècle et ensuite à la Russie. Les Russes décidèrent de consacrer la ville au textile. De grandes fortunes se constituèrent, comme celle de la famille Poznanski, qui vécut dans une demeure monumentale de la fin du XIXe siècle.
Israël Poznanski était propriétaire de la plus importante fabrique de coton à Lodz. Son palais révèle sa fortune, mais aussi ses goûts artistiques où pointent des éléments art nouveau, très en vogue chez les industriels enrichis de l'époque. L'usine de Poznanski avoisinait son palais. Le colossal immeuble de briques a été restauré. Marta Varvziniak. Le centre Manufactura, où nous nous trouvons, ce sont des usines datant du 19e siècle, créées par un entrepreneur juif, Israël Poznanski. Il y avait là tout le processus de la fabrication du tissu en coton. Et à côté de l'usine, il y avait le palais et les maisons d'ouvriers. Poznanski a créé une ville dans la ville. Ensemble post-industriel, Manufactura est un bel exemple de réhabilitation réussie. Les structures, qui n'étaient pas classées, auraient pu être détruites. Elles ont été sauvées et mises aux normes de l'architecture et du design contemporain. Un musée retrace l'histoire du textile et de sa fabrication. En un demi-siècle, l'activité industrielle a transformé la petite bourgade de Lodz en une métropole où plusieurs nationalités se sont mélangées. L'usine de Poznanski couvrait plusieurs centaines d'hectares où étaient rassemblées les machines et les techniques les plus performantes de l'époque. Agnieszka Zygmuntowska. L'administration royale a accordé l'usage de terrain pour encourager l'installation de l'industrie textile dans cette région. Et à partir de 1823, des ouvriers des différents corps de métier, en provenance de Silésie, de Tchéquie, d'Allemagne, se sont installés à Lodz. Certains filaient le coton, d'autres s'occupaient du tissage, d'autres encore de la teinture. À côté des techniques de production, le musée présente aussi différentes créations artistiques, des broderies et des impressions sur tissu. Choisi pour le textile, Lodz fut aussi désigné pour accueillir une école de cinéma, aujourd'hui connue dans le monde entier. Andrzej Bednarek. La plupart des grands réalisateurs polonais connus mondialement ont étudié dans notre école, comme Roman Polanski, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, et également tous les grands opérateurs de prise de vue. Ils ont tous étudié ici. Comme dans d'autres pays européens, la création cinématographique polonaise est soutenue par différentes institutions nationales, comme l'Institut polonais de l'art cinématographique. En Pologne, on produit plusieurs dizaines de films de fiction par an, et aussi de nombreux documentaires. Le musée du cinéma est installé dans la demeure d'un autre industriel du textile. On y expose du matériel et une curiosité, un stéréofantascope du 19e siècle, qui reconstitue le relief et le mouvement à partir de photos. Le Lodz Art Center se trouve également dans un immeuble vestige de l'industrie du textile. Le centre existe depuis 2005. Il encourage et organise de nombreuses manifestations artistiques dans différents domaines. Du design à la peinture, en passant par la photographie. La ville de Lodz est emportée par un formidable élan créatif. L'architecture est bien évidemment concernée au premier chef, mais aussi les arts graphiques et les arts décoratifs. Partout en Pologne, des centres commerciaux ultramodernes voient le jour. Ils utilisent le dernier cri des matériaux et des techniques pour avancer sur les chemins du renouveau. Un hôtel design s'est étonnamment intégré à l'ancienne usine textile de Poznanski. Les structures métalliques et les briques contrastent avec les ouvertures elliptiques et les couleurs pastel. Un endroit très couru, où les créateurs présentent leurs dernières productions. Les chemins du renouveau empruntent des parcours originaux, comme celui des défilés de mode. Un organisateur, Jacek Klak.
Il fallait que quelqu'un le fasse pour la première fois. Et pourquoi Lodz? Parce qu'il y a ici la grande tradition de l'industrie du vêtement. Au XIXe siècle, c'était le plus grand atelier de tissage dans cette partie de l'Europe de l'Est. Et au XXe siècle, c'était le plus grand atelier de confection de vêtements pour l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Actuellement, Lodz devient un centre pour les dessinateurs et les créateurs de mode. Il y a des grandes écoles et des écoles professionnelles pour apprendre ces métiers. C'est ici qu'il y a des concours comme Fil d'Or qui sont organisés pour promouvoir de jeunes créateurs. En prenant la direction du sud, le relief s'élève progressivement. Au printemps, les rivières sont gonflées par la fonte des neiges. Les premiers contreforts des Carpates apparaissent. En Europe centrale, les Carpates sont les seules montagnes de type alpin. Elles sont proches des Alpes pour leur climat, leur végétation, leur altitude et leurs formes effilées. Elles se divisent en plusieurs petites chaînes, comme les Tatras, où se niche la ville de Zakopane, tout près de la frontière avec la Slovaquie. L'environnement bucolique a séduit de nombreux intellectuels polonais, écrivains et musiciens. Ils apprécient le climat et le confort des maisons en bois de la région. Jan Karpiel est architecte. Ce type de maison est construite entièrement en bois. Autrefois, il n'y avait même pas de cave. La maison était simplement posée sur quatre pierres. En fait, c'est une maison faite comme un meuble. Mais ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est une construction de troncs d'arbres qui a été assemblée de façon à s'emboîter dans les angles. Et en ce qui concerne l'isolation, on comble les espaces entre les troncs avec de la laine. L'architecte polonais Witkiewicz a créé le style de Zakopane, un modèle de maison en bois toujours en vogue. Zakopane doit une bonne part de son essor à la pratique des sports d'hiver. Par le funiculaire, on atteint facilement le domaine skiable qui culmine à 2000 mètres d'altitude. La luge d'été procure aussi des sensations fortes. Dans le massif des Tatras, entre 800 et 1500 mètres, les alpages sont plutôt fréquentés à la belle saison. Władysław Butz est berger, et avec ses deux chiens, il part à la rencontre de son troupeau. Les moutons arrivent dans la montagne au mois de mai. Ils y resteront jusqu'en septembre. Avec le lait de leurs brebis, les bergers fabriquent un fromage dont les origines remontent au Moyen Âge. On prend du lait de brebis, un peu de poudre fermentante, on mélange ça dans un tonneau, et puis après ça monte, un peu comme avec de la levure. C'est comme ça qu'on fabrique le fromage qui s'appelle Odzipek. Dès que la traite est terminée, le lait récolté est transformé sur place. Dans une cuve, le fromage est mis à maturation pendant 5 à 10 heures à température ambiante. Puis, on procède à une maturation chaude,
avant d'ajouter la présure, une substance qui fait cailler le lait. Ensuite, le fromage est suspendu pour qu'il égoutte en éliminant l'eau et le petit lait. Après des périodes de repos et de pressage à la main, le fromage est moulé, puis salé avant d'être fumé. L'odzipek traditionnel au lait cru a été reconnu par l'Union européenne comme produit régional. L'appellation odzipek est désormais protégée. Sur les étals des marchés, on trouve l'odzipek sous différentes formes, la plupart du temps en fuseau ou en cylindre. Zakopane possède d'autres ressources, les cuirs et les peaux d'un cheptel varié. Les fourrures sont bien utiles dans une région où la température moyenne annuelle dépasse à peine 4 degrés. Je vends des produits en cuir, des peaux de mouton, de chèvre et de vache. Voilà une peau de notre région, de Zakopane. Le climat des Tatras est aussi influencé par un vent très fort, le Alni, qui peut souffler à près de 300 km/h. Heureusement, c'est un vent chaud. En hiver, le Alni est une malédiction pour les skieurs. En été, c'est en revanche une bénédiction pour sécher le foin et le linge. L'architecture en bois a aussi produit des édifices religieux. À Debno, la petite église dédiée à l'archange Saint-Michel date du XVe siècle. Elle a été construite en bois de mélèze grâce à des chevilles sans aucun clou. À l'intérieur, une magnifique décoration polychrome défie les outrages du temps. On a dénombré 33 couleurs différentes. Ce sont les dons des paroissiens qui ont permis de conserver l'ensemble en l'état. L'église est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Depuis le XIVe siècle, au bord du lac artificiel de Storstein, veillent deux châteaux. Leur présence vigilante est due à l'ancien tracé de la frontière avec le royaume de Hongrie. De longues barques en bois sont regroupées au bord de la rivière Dunajec. Elles sont assemblées avec des cordages pour former un radeau à la fois souple et solide. La manœuvre est exécutée par des montagnards bateliers comme Migdaï Stanokstov. Depuis toujours, on a descendu le bois par la rivière. Encore dans les années 1960-70, on faisait descendre le bois par la rivière. Mais ça n'a qu'un lien indirect avec ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens qui habitaient au bord de la rivière ont toujours eu des petites embarcations. Autrefois, on les creusait dans des troncs d'arbres et on les utilisait pour le transport des marchandises et des personnes. Et déjà au début du 19e siècle, elles étaient utilisées pour le transport des touristes. Le long de la frontière slovaque, la route passe par Horouf et ses maisons traditionnelles en bois, construites sans le moindre clou. Ici, le travail du bois est un art. Jan Zider est sculpteur. Je m'inspire de thèmes religieux dans mon travail créatif et je suis spécialisé dans les crèches. Récemment, j'ai sculpté un Christ en bois d'1,80 m pour une église de Zakopane. Là, je travaille sur une image de la scène d'après Léonard de Vinci, mais je la sculpte bien évidemment à ma manière. Dans un pays aussi profondément catholique, la plupart des commandes passées à l'artiste, comme ses sources d'inspiration, sont en grande partie d'ordre religieux.
Les chemins du renouveau passent aussi par Cracovie, l'une des plus anciennes villes de Pologne et ancienne capitale nationale. La place du marché compte parmi les plus grandes places médiévales d'Europe. Au centre de la place s'élève la Alodra, un vieux marché couvert. Il accueille aujourd'hui de nombreuses boutiques spécialisées dans l'artisanat du pays. Les différents registres de l'artisanat polonais sont passés en revue avec une grande variété de supports, terre cuite, broderie, bois et métal, sans oublier l'ambre. Avec leur architecture variée, les maisons bourgeoises donnent à la place un décor élégant. La plus ancienne partie de l'église Notre-Dame remonte au XIIIe siècle. Ce jour-là, on y prépare une cérémonie en l'honneur des artisans. La décoration intérieure de l'église gothique surprend par la profusion des dorures, des peintures et des sculptures en bois, certaines datant du XVe siècle. Une seule porte subsiste dans les fortifications qui jadis protégeaient la ville. Cracovie possède aussi l'une des plus vieilles universités d'Europe centrale. Le célèbre astronome Nicolas Copernic y fut étudiant. Sur la colline du Wawel, le château fut résidence royale pendant 5 siècles et demi. Derrière les murs d'enceinte s'abrite aussi la cathédrale gothique. C'est ici que se déroulaient les couronnements et les funérailles des rois et reines de Pologne, aux abords de la Vistule. Cracovie est une ville importante pour l'Église catholique polonaise. Un archevêque y réside. Il peut être cardinal et a autorité sur plusieurs évêques. Le futur pape Jean-Paul II fut nommé archevêque de Cracovie à l'âge de 44 ans seulement. 3 ans après, il était cardinal. En tant que pape, il reviendra 8 fois dans son pays natal. Kazimierz était une ville indépendante. Les Juifs en firent leur quartier avant que la cité ne soit rattachée à Cracovie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un industriel allemand y fabriquait des émaux. Il s'appelait Oskar Schindler et sauva de nombreux Juifs. Steven Spielberg lui a consacré un film qu'il a tourné ici. En juin, se déroule la fête de Wianki. Les jeunes filles portent des couronnes de fleurs qu'elles jetteront dans la Vistule pour connaître leur avenir amoureux. Dans la ville qui se considère capitale culturelle de la Pologne, les fêtes traditionnelles s'accommodent très bien des rythmes contemporains. Dans le quartier juif, la fête de la soupe attire la grande foule. La musique alternative fait bon ménage avec la jurek, une soupe aigre à base de pain de seigle, de légumes et d'œufs durs. We'll be right back.
Les cuivres servent des musiques très différentes, avec la même conviction. La Pologne poursuit sa route sur un parcours où les obstacles n'ont pas manqué. Aujourd'hui, éclairée par son expérience, elle possède toutes les ressources pour avancer sur les chemins du renouveau.